On va voir le retournement à un secouriste. Théoriquement, si la victime nous parle, on ne fait pas le retournement parce qu'on est tout seul. D'accord? Les pompiers auront du matériel. Donc je vais aller devant la victime. Monsieur, vous m'entendez, monsieur? Si vous m'entendez, bougez la main, ouvrez les yeux. Monsieur, monsieur! N'ayant pas de réponse, il va falloir que je le retourne. Pour quelle raison? Je ne sais pas s'il respire ou pas. D'accord? J'en profite tout de suite pour regarder, là ici, si je vois des éléments. Ok? Rien. Pour le retourner. La braque, je le retournerai toujours côté opposé au regard. La main qui est ici, je vais la mettre ici. Parce qu'on va faciliter le retournement et éviter que la nuque aille trop en arrière. Ensuite, je vais prendre au niveau de la hanche, au niveau de la paule. Je vais me décaler un peu de 20 cm à peu près et je vais le retourner sur le côté. Une fois qu'il est sur le côté, la main qui était à l'épaule va venir vers la nuque de la victime pour éviter que la tête tombe trop en arrière. Et avec cette main-ci, je vais la retourner pour retourner mon collègue. Là, il est retourné et maintenant, je vais pouvoir voir s'il respire ou pas. Pour ce faire, ce que l'on verra plus tard, eh bien, on va apprécier la respiration. Là, ici. Je vais mettre sur 10 secondes à peu près. Il respire. Là, maintenant, je vais, avant de le mettre en PLS, alerter les secours.